Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis qui a donc reprend notre petite partie avec le Commonwealth tranquillement. Putain, on se gaffe de thunes, c'est immonde, c'est interdit aux moins de 30 ans ce qu'on fait là. Donc on va faire des Counting House 044, oh putain, et là-bas. Non. C'est con, ce qui manque c'est un truc, vous savez, pour avoir de visu tout de suite, ça te fait plus 1000 là-bas quoi. 046. Donnez-moi ces points, 0,36. Gagne combien là? Plus 87. Plus 0,63. Comment ça se fait? Pourtant, c'est un truc qui produit. Bon, voilà. Oh putain. Oh, c'est beau ça. Hop, on va améliorer. Ok, Cambourg, c'est bon. Est-ce que je peux faire du spy network? Je déclare la guerre dans 2 ans. Dans 2 ans, je me retrouve donc en guerre avec ça. Hondebourg il m'aime pas donc non, on va refaire une petite série de hop improve relation ici. Ah, il me kiffe, d'accord, trust 100%. La France sans trust. Troisième c'est le pape, mais le pape je vais me retrouver en guerre avec lui. Je lui déclare la guerre. Lui, 35 là, on va les ramener ici. Hunting House, on va en faire un autre donc. Buildings. Il faudrait que je regarde un truc là. Vernigoff. Oh, pourtant ça a que 2 en... Oh là là là. Ma flotte de guerre. 1, 2, 4, 3. Ah, continuez encore une guerre. Et... Impense, gouvernement, pire, monarchie féodale, income from vassal avec plus 25%, Allman Pormen faisait. Ah, monarchie administrative.
Ouais. Archi absolue, la discipline. Monarchie constitutionnelle. Je vais faire une monarchie administrative. Donc là, je suis à combien de revenus? 68,25. 68,25. 37,25. Là, j'ai perdu un. Mais ouais, de toute façon, je vais gober la Hongrie. Ensuite, qui sont mes rebelles qui sont pas. Enfin, mes vassaux qui sont pas over fidèles? Ok. Donc, on dit, on a fini ça. Game. Voilà. Elle est quand à la fin de ma trousse avec Munster? Août de 1731. Faut que je vérifie bien. Il y a Montlet l'Empire, faut que. Le Gorze, Munster, Gelre. Désir de la chair, non, non, blâme, allez, on tue un mec. Il a baisé ma femme, il va mourir. House, ok. Yearly Prestige plus un, ouais, on va pas cracher dessus. Et ensuite, on va faire bâtiment. Où est-ce qu'il y a les provinces qui veulent 0,55, c'est pas mal. 0,99, mais c'est infâme ça. Ouais, bah c'est les producteurs de fer, quoi, c'est. C'est interdit au moins de 30 ans, ce truc-là. Donc, ok, l'annexion se termine quand? En 1732, je crois. La Suède, hop hop hop. Voilà, je vois elle directement. Ensuite, que je réfléchisse, là on va déclarer la guerre à l'Autriche, donc ça veut dire que là. Un là et l'autre ici. On va se retrouver donc en guerre avec l'Autriche, Gelre, Norvège, Trier, Ulm, ouais, super, Trier, les États-Papaux. Les États-Papaux, c'est un peu plus gros, entre guillemets. On met un là et lui, on le met là-bas. Lui qui est là, on l'envoie à Sopron. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, on bascule en mode entretien de l'armée au taquet. Le manpower est bienvenu. C'est quand déjà la fin, la trousse? Août. Et bah, Manis. On va dire qu'il faut 4 mois, donc 8, 4 avril. Maintenant, de l'armée au taquet. Une provoque de la corruption. Ah ouais, c'est un peu de roast beef. Ok, donc on met l'entretien de l'armée au taquet. L'effort, on va. On active. Fort niveau quoi, on active et on active. On active mes vassaux, mission. Nos focus, vous démerdez. Alsace, Trier sont dans une coalition contre moi. Pourquoi ils sont dans une coalition, les mecs, je comprends pas.
Bien fait. La Bosnie, Ulm, Ravensburg. Putain, tout le monde rentre dans une coalition. Je comprends pas. J'ai rien fait d'agressif, mais les mecs qui rentrent dans une coalition. On va essayer un truc. Eh putain, Munster est rentré dans la coalition contre moi. Bon, bah alors là. On va attendre qu'il quitte la coalition, hein. Entre temps, on aura gobé la Hongrie. Donc c'est pas mal. Bon, bah on a perdu du temps, quoi. Ben désolé, il y aura sûrement pas de guerre cet épisode-là. C'est pas de ma faute, c'est pas faute de l'avoir voulu. Moi, je voulais bien qu'on se mette sur la gueule. Mais ils veulent pas. Fais chier. Mais bon, alors laisse Kazan. Le grand capitaine machin, il est mort. Donc niveau 3, 10 plus 5%. Ça me coûte 14 mensuellement. Oh, j'ai plus de moi. Voilà, on va rester comme ça. Le clergé veut du territoire. Le clergé. Est-ce que j'ai des princes qui valent le coup? 5, 8, non. 3, 6, 15, non. 14, 8, 5. Voilà. Et ça, le clergé, c'était pas content. Alors, est-ce que ça vaut le coup de garder ce fort tout là-haut? Je pense pas. On va voir ce que c'est comme niveau de fort. 4 avec niveau 6. Là, on va le dégager. Ça, hop, immense. Pourquoi la 71? Ouais. On va regarder un truc là, la coalition. Qui est dedans? Bosnie, on s'en branle. Tout ça, je vous dirais, on s'en branle. Mais bon, allez, on va essayer de faire dégager la Bosnie. Raguse. Où ils sont à moins 40, quoi. Agressif expansion. Ah, sérieux? J'ai rien fait de mal, je suis un gentil, moi. Annexion de la Hongrie. Donc là, Hongrie me rapportait combien? Me rapportait 10,50. Oh putain, c'était quoi ça par mois? Bon, ça, je perds du fric. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que je suis un tout petit peu trop gros là, je pense. J'ai dû légèrement déplacer. Ouais, j'ai dépassé de 26. Ouais, elle a une arme à 37. On va légèrement la dégager, elle. Ah. Le pape. Légitimité, on est bien. Ah oui, voilà. Voilà, voilà. Taxe, voilà. Très bien. Donc là, 184. Voilà, on est plutôt pas mal. Ici, c'est quoi? C'est de la forêt, super. Là, du Highland, ouais.
Voilà, au lieu d'avoir un fort ici, c'est là-haut qu'il faut le faire. C'est un Maramaros, quoi. Enfin, c'est tout comme ça, quoi. Putain. Ah, ce coalition à la con. Nogai, ah, je vais me rebeller. Comment dire, Nogai, bouge pas que je t'explique vite fait les choses. Ah, c'est chiant ça. Bon, j'ai toujours pas fini ma mission de... Vas-y, t'as une grosse flatte. Énerve. Riga. Rigo. Where is Riga? Ah bah si Riga existe toujours, je crois qu'ils existaient plus moi. Allez avec les Knights, ouais super. On a fini avec Perm. Donc, le suivant, Hambourg. Ok. Membre de la coalition suivant. Ah ouais, on est bon, non, c'est mort. La Bohème. Salzbourg. L'Autriche, la Bohème, ouais. Ah non, la Bohème, il me vend. Mon merde, ils savent pas que j'existe pas, eux. Oh là 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 là, ils font rien qu'à m'embêter, les gens. Ah, l'Autriche va rejoindre la coalition. Voilà. Et venez dans. Voilà. Venez dans la coalition contre moi. Ça va un peu roter du sang. Non, on va quand même pas faire ça. Notre flotte arrive à Courzas. Et. Ouais. La flotte qui arrive à Courzas, ouais. Pourquoi ils ont... Je comprends pas. Ils ont quitté la coalition pour la rejoindre de nouveau, quoi. J'ai pas compris. Bouf. Ils me disent, t'as pas assez de rivaux. Bon, bah attends, j'ai l'Angleterre. Ah, Brandenburg. Brandenburg, il m'a mis en rival, je pense, ce connard. Brandenburg. Non, il a mis la Bohème, la Suède et les États papaux. Enfin, un général avec 50 de tradition. Je prends. On va pas trop plus. Pourquoi il y a autant que ça? Je comprends pas. Agressif, attention. J'ai annexé qui en mon bon empereur? Ah ouais, donc je prends 5. Ouais, putain. Ah, c'est calme là, si on fait que je m'étende, j'ai mis des baffes à Boukara, mais c'est un coup de me taper la coalition dans le coin de la gueule. Là, après, je peux pas démobiliser fort pour un motif tout con. Et que si je démobilise, c'est putain de fort. Ils vont dire, ah, je viens de défoncer. Non, mais défoncez pas, j'existe pas, je suis pas là. Tu me vois plus, j'ai des baskets.
et vous avez entendu le tingling de fin d'épisode. Donc voilà. On va s'arrêter là. Moi, je vous dis donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Et peut-être enfin une guerre. Désolé, quoi, ça a pas pété, mais j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Allez, ciao tout le monde!